Il vient d'avoir 88 années. Alors j'ai un pas dans la tombe. Bientôt je vais mourir parce que l'organisme meurt. Alors je ne peux pas faire de théâtre et je ne peux pas ne pas parler que des choses qui sont vitales pour moi. Alors j'ai décidé de montrer à une personne, je ne vais pas hypnotiser mon public. Je vais faire un public conscient, qu'il sache qu'il est en train de voir de l'art et qu'il ait le plaisir d'une production artistique. Et de toute façon, garder les sentiments et garder tout ce que l'art doit produire. L'art doit produire une ouverture de porte où la personne va se découvrir à elle-même. Mais elle ne va pas découvrir sa laideur. André, tu t'en vas. Tu m'apprenais tant de choses. Tu éclairais ma vie. Je t'aimais. Je n'ai jamais osé te dire que je voulais t'embrasser. Ça m'aurait plu. Je peux le faire maintenant? Moi, je crois que l'être humain, c'est une œuvre d'art merveilleuse de l'univers, qui a mis des millions d'années à me fabriquer. Je crois que l'être humain, c'est une merveille, une chose sublime, et je dois la montrer. Et la unique chose qui peut montrer le sublime, c'est l'art. Alors je veux que le spectateur sache qu'il voit de l'art, et je l'explique. Tu es devant un écran de cinéma, tu es en train de voir du cinéma, sois conscient, mais apprends à capter le langage artistique. C'est que nous faisons, c'est libérer la conscience de toutes les limites qu'on met, de toutes les limites qu'on met à la conscience, limites familières, limites sociales, préjugés, croyances, idées politiques, définitions, désordres, des interdictions, des peurs. On habite dans une cage des choses qu'on nous induit. On a un nom, mais vraiment la conscience n'a pas de nom. On a un âge, la conscience n'a pas d'âge. On a une nationalité, la conscience n'a pas de nationalité. On a une définition sexuelle, la conscience n'a pas de définition sexuelle. On a un métier, la conscience n'a pas de métier, elle a tous les métiers. La conscience libre est une merveille. Pour être libre, il faut vouloir être libre. Oh, to find your soul! On me demande moi, après moi le cinéma, qu'est-ce que je dois développer? Tu dois développer l'attention, attention. C'est-à-dire que tu dois fixer ton attention sur quelque chose complètement, avec tout ton être. Et si tu fixes ton attention
complètement, avec tout ton être, tu trouves l'infini et l'éternité. Je suis el que tú serás, o tú fuiste el que yo fui. Te entregaste a la poesía y no lo lamento. Poesía, alumbrarás mi camino como una mariposa que arde. Alejandro Jodorowsky, démosle la bienvenida. Soy artista, soy poeta. Vive, vive.